parole. Ni muda wa kupokea neno la Mungu. Alléluia. 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 Je vais demander à chacun de nous de prier. Ninaomba kwa kila mmoja wetu akaombe Mungu. Tu vas dire à Dieu. Utamwambia Mungu hivi. Je veux que ta parole ninapenda neno lako prenne de la place dans mon cœur. Nipate nafasi ndani ya moyo wangu. J'aimerais que ta parole ninapenda neno lako me transforme. Itaweza kunibadilisha. J'aimerais que ta parole ninapenda neno lako me touche. Niguse. J'aimerais que ta parole m'éclaire. Nous allons entrer dans l'adoration. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Merci Seigneur. Assentez-vous. Merveilleux Seigneur. Dieu Alpha et l'Oméga. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire. Applaudissons pour la gloire. Mais nous allons nous mettre debout pour écouter la parole, pour lire la parole de Dieu, pour obéir le roi des rois. Nous allons lire dans le livre de Ruth. C'est mieux de lire tous les livres de Ruth pour mieux comprendre. Je lis dans le nom de Jésus. Ruth chapitre 1, verset 14 jusqu'à 18. Alors, les deux belles filles se remirent à sangloter. Alafu wale wabinti wawili waka kutanana kwa kulia. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Baadaye Orpa akambata akamkumbatia mama mkwe wake ila Ruth akabaki na mama mkwe wake. Naomi lui dit. Naomi akamwambia, regarde, ta belle sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle retourne chez le tien. Angalia jinsi dada yako mdogo anarudia kwa miungu yake. Fanya jinsi naye amefanya. Mais Ruth lui répondit, Ruth akamjibu, n'insiste pas pour que je te quitte. Usinikasie ili nikakuache. Et que je me détourne de tes routes. Ili nipate kurudi ama kugeukia njia yako. Partout où tu iras, j'irai. Pale utaenda nami nitaenda. Où tu t'installeras, je m'installerai. Pale utakuwa nami nitakuwa. Ton peuple sera mon peuple. Watu wako watakuwa watu wangu. Ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Là où tu mourras, je mourrai. Pale utakufa nami nitakufa pia. Aussi et j'y serai enterré. Na pale ndipo mimi nitazikwa. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité. Na Mungu aniadhibu kabisa kwa adhabu ya haki. Si aussi chose que la mort me sépare de toi. Ichapo kifo ndipo kipate kutenganisha mimi na wewe. On peut nous arrêter là. Utaweza ku bénis ta parole. Baba bariki neno lako. Bénis ta parole. Bariki bariki dans le cœur de tous celui qui va écouter le son de ma voix. Ile yote ambayo nasikia sauti yangu. Le Dieu puissant, Mungu mwenye nguvu. Tu es la parole vivante, Mungu ambaye neno la hai. Le Dieu puissant, Mungu wa haki. Tu connais les désirs de nos cœurs. Unajua kutaka kwa mioyo yetu. Et c'est pour cela nous sommes devant toi. Na ndio maana tuko mbele yako. Père, ba. Touche le cœur de quelqu'un et que bénis tout celui qui est venu dans cette place. Na yule ambaye atabariki. Et je me tiens debout contre tout esprit impur. Ya kila uwezo wa giza. Et je le brise, je le neutralise. Au nom de Jésus.
Saint-Esprit règne. Roho wa Bwana tawala. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tonosi. Tutaka. Bien-aimé, mpendwa katika Kristo. Je pense que c'est l'histoire que tous nous connaissons. Najua ni habari ya kila mmoja anayejua. Nous connaissons cette histoire bien avant. Tunafahamu habari hizi. C'est l'histoire d'un homme, ni habari ya mtu mmoja, qui avait une femme qui se nommait Naomi. Ambaye alikuwa na mke jina lake Naomi. Alléluia, 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 alléluia. C'est l'histoire d'un homme, ni hadithi ya mtu mmoja, qui avait une femme qui s'appelait Naomi. Ambaye alikuwa na mke jina lake Naomi. Et les deux personnes, na watu wawili hao, avaient deux fils. Walikuwa na wavulana wawili. Il est arrivé un certain temps. Kulifika siku moja. Les deux fils, wale vijana wawili, un jour ils ont eu leur femme. Siku moja walipata wake. Hallelujah. Hallelujah. Donc Naomi avec sa famille, Naomi na jamaa lake, avec les deux belles filles, na wale wadada wawili. Mais il est arrivé un certain temps, il fika muda, le mari de Naomi est décédé. Mme wa Naomi akafa. Donc Naomi est restée avec ses deux fils. Yani Naomi alibakia na wafulana wake wawili. Et les deux belles filles. Na wale wadada wawili wa. Alléluia. 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 Mais après un certain temps, katika muda fulani, encore les deux garçons sont aussi décédés. Wale watoto wake wawili waume na wakafa. Donc Naomi s'est retrouvée seulement avec les deux belle fille. Yani Naomi akajikuta na walikazi wake wawili. Avant de continuer, mbele ya kuendelea, j'aimerais que vous compreniez ceci. Ninapenda mukaelewe haya. Imagine vous la femme Naomi. Anga waza kama yule mama Naomi. C'était une femme qui avait une famille comme tu es. Alikuwa mke ambaye alikuwa na jamaa kama jinsi wewe una jamaa. Elle était dans la joie, elle voyait son mari. Alikuwa na furaha wakati anamwona mume wake. Elle était dans la joie lorsqu'elle voyait les deux fils. Alikuwa na furaha wakati anaona wavulana wake wawili. Encore elle était dans la joie lorsqu'elle voyait les deux belles filles. Na wakati alikuwa anaona wale walikazi wake alikuwa na furaha. Soudainement elle s'est retrouvée seule avec les deux belles filles. Kisha wakati mmoja kajikutana yeye peke yake na wale walikazi wake wawili. Quel genre de souffrance. Ni hali namna ya namna gani ya mateso. Quel genre de difficulté. Ni hali gani ya kuteseka na kusumbuka. Mais si c'était toi, ingekuwa wewe, tu perds ton mari, unapoteza mume, tu perds tes enfants, unapoteza watoto, comment allais-tu pleurer? Ungelia namna gani? Souvent je vois lorsque les femmes aiment leurs enfants, wakati naona sana akina mama wanapenda watoto wao sana. Et imagine-toi, waz, l'enfant que tu aimes, mtoto wako unapenda, et tu te trouves unajikuta seul mwenyewe sans mari, bila mume, sans les enfants, bila watoto, avec les deux belles filles, na wale walikazi wake wawili. Suivez la parole de Dieu. Kafuata neno la Mungu. Le titre de ce message s'intitule, yani neno la siku ya leo, l'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Tu peux te demander, utaweza kujiswali, comment expliquer tu me parles de l'amour de Dieu? Namna gani utaweza kunieleza upendo wa Mungu? Tant que la femme a perdu son mari et ses deux enfants. Ichapokuwa yule mama alipoteza bwana na watoto. Comment cela peux-tu m'expliquer? Utaweza kunieleza namna gani ajili ya upendo wa Mungu? Et tu veux me parler de l'amour de Dieu? Na unapenda kunieleza upendo wa Mungu? Et tu veux dire que Dieu a aimé la femme? Je, ule huyo Mungu alimpenda yule mama? Mais la Bible ne nous a pas dit si la femme était une femme pécheresse. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba yule mama alikuwa mama mtenda dhambi? No, hapana, c'était une femme qui craignait Dieu. Ni alikuwa ni mwanamke
Mais soudainement, la quitte, tout est parti. Mais je suis venu te parler aujourd'hui de l'amour de Dieu vivant. Alléluia. Je suis déjà béni. Je suis béni. Il y a le feu aujourd'hui. Léo Pico Moto, Léo. La femme Naomi. Yule Mama Naomi. Elle s'est retrouvée avec deux belles filles. Akajikuta na wali kazi waki wawili. Orpa et Ruth. Orpa na Ruth. Orpa et Ruth. Orpa na Ruth. Je dis Orpa et Ruth. Inasema ni Orpa na Ruth. Mais la femme Naomi, lakini yule mama Naomi, elle a vu ce n'est pas du tout bon de rester avec les deux belles filles. Alijikuta ya kwamba sio mzuri abaki na wale walikazi wawili. Les deux belles filles sont toujours, ils sont jeunes, disons. Wale walikuwa wangali wa vijana. Elle devrait se remarier. Wataweza kuolewa tena. Donc la femme Naomi, lakini yule mama Naomi, elle a supplié les deux belles filles. Aliwasi wale walikazi wake de retourner dans leur village. De retourner dans leur famille. De retourner dans leur nation. Hallelujah. Naomi a dit à ses deux belles filles. Écoutez maintenant la parole. Sigi asasana la Mungu. Orpa a dit à qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vers Naomi. Alienda kwa mama mkwe wake, Naomi. Elle a baisé Naomi. Alimkumbatia kwa kumbusu. Et puis, elle est rentrée dans sa famille. Na alirudia kwa jamaa lake. Et puis, Naomi, baadaye Naomi, a constaté que Ruth n'a pas voulu quitter. Naomi alijikuta ya kwamba Ruth hapenda kuachana naye. Et puis Naomi a dit encore à Ruth. Naomi a dit à Ruth. Ruth, retourne aussi comme ton frère et ton ami est retourné. Rudia kama vile dada yako amerudi kwao. Retourne comme Orpa. Rudia kama Orpa alivyofanya. Retourne chez toi. Rudia kwenu nyumbani. J'ai constaté que nilikuta Naomi, elle s'est vue, elle est déjà vieille. Naomi alijikuta ya mezea. Il n'y a pas moyen d'avoir encore des enfants. Pourquoi les deux belles filles d'être mariées avec ces deux filles? Wale kazi wake wapate kuonewa na watoto wake abataza. Et puis elle a dit quittez. Alimwambia ondoka. Je n'ai rien. Sina chochote kile. Je suis vieille. Nimezea. Je n'ai pas de l'argent. Sina pesa. Je suis pauvre. Niko maskini. Je suis rien. Mimi niko bure kabisa. Avec moi, pamoja na mimi, tu ne gagneras aucune chose. Ukiwa pamoja na mimi hautakuwa na chochote kile. Avec moi, pamoja na mimi, rien du tout. Hakuna chochote kile utapata. Écoutez la parole de Dieu. Sikia neno la Mungu. Naomi a vraiment insisté. Yeye aliendelea kusisitiza. Elle a insisté. Alisisitiza kwa rudia. Rudia tafadhali. Maintenant, écoutez la parole. Sikia neno d'une jeune fille. Sikia neno ya dada. Elle a dit à Naomi. Alimwambia Naomi. Ne me pousse pas à te quitter. Ni sukume ni kuache. Hey! Ne me pousse pas de te quitter. Aussi ni sukume mimi ni kuache. Ne me pousse pas. Aussi ni sukume te quitter. Kuacha wewe. Hallelujah. Hallelujah. Naomi, je sais tu es vieille. Ninajua ya kwamba wewe umezee. Je sais tu n'as rien. Najua kama una kitu. Je sais
Dieu. Mungu wako. Dieu. Mungu wako. Sera mon Dieu. Atakuwa Mungu wangu. Ton problème. Shida zako. Ton problème. Shida zako. Ton problème. Nasema shida zako. Ton problème. Ninasema shida zako. Ton problème. Ninasema shida zako. Hallelujah. 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 Ninasema shida zako. Sera mon problème. Itakuwa shida yangu. Hallelujah. Écoutez la parole. C'est qui est neno la Mungu. Ne me pousse pas. Si les hommes ne couachent. Et je refuse. Il n'a qu'à. Alléluia. Alléluia. Ne me pousse pas. Aussi ni soukoumé. Ne te quitte. Ni couach. Regardez la vie de ces deux filles. Angalia maisha ya wale wadada wawili. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose. Kuna kitu. Tu vas recevoir quelque chose. Utapata kitu. Ça va. Ça va, ça. Regardez Angalia, la vie de ces deux personnages. Angalia maisha ya hao watu wawili. Orpa, Orpa, elle a vu à Lyon avec Naomi. Pamoja na Naomi. Je ne peux rien gagner. Si wezi kupata kitu. Avec Naomi. Pamoja na Naomi. Il n'y a rien du tout. Hakuna chochote kile. Rester avec Naomi. Kubaki na Naomi. Il n'y a pas de l'espérance. Hakuna matumaini. Non, avec Naomi. Non, hapana pamoja na Naomi. Pas de la richesse. Hakuna utajiri. Avec Naomi. Pamoja na Naomi. Quand je regarde en kaangalia uko mbele. C'est la mort qui m'attend. Ni kifo kimenitangulia. Si je regarde là-bas. Ni kiangalia uko. Yo la mort. Kule kuna kifo. Avec Naomi. Pamoja na Naomi. Il n'y a rien. Hakuna chochote kile. Avec Naomi. Pamoja na Naomi. Je vois le ténèbre. Nina ona giza. Avec Naomi. Pamoja na Naomi. Il n'y a rien. Hakuna chochote kile. Hakuna chochote. Zero. Ni sufuri. Zero. Ni sufuri. Mais moi Orpa. Lakini mimi Orpa. Je suis encore belle. Ningali kijana. Je suis encore jeune. Nina sura nzuri niko kijana. Nitaweza rudia kwa familia yangu. Opera tucho. Baba na vitu vyote. Et puis l'autre. Lakini mwingine. God be blessed. Hallelujah, barikiwe. Kamwache. Hallelujah. 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 Je ne te quitterai jamais. Kukuacha kamwe. Je ne t'abandonnerai jamais. Kukuacha kamwe. Ton peuple. Watu wako. Sera mon peuple. Watakuwa watu wangu. La souffrance. Shida zako. Sera mon souffrance. Itakuwa zangu. Ton rejet. Ile kukukataliwa. Ça sera mon rejet. Itakuwa ni kwani. Ta richesse. Utajiri wako. Ta richesse. Utajiri wako. Sera ma richesse. Itakuwa utajiri wangu. Ta joie. Fura yako. Sera ma joie. Itakuwa fura yangu. Là où tu mourras. Pale utakufa. Là où tu mourras. Pale utakufa. Là où tu mourras. Pale utakufa. Je mourrai. Na mimi nitakufa hapo. Je mourrai. Nitakufa hapo. Il faut que tu te demandes la question. Il n'a pas chaque jour les assoir. Pourquoi cette femme, Sabugani yule yule mama, Ruth, n'a pas voulu retourner. Sabugani yule dada, penda kurudi. Qu'est-ce qui a poussé à Ruth? Ni kitu gani kimemsukuma Ruth rester avec une veuve femme? Kubakia na mama mchane. Qu'est-ce qui a poussé à rester rester avec une personne dont tu n'auras aucune chance? Regardez, bien-aimé, dans le Seigneur. Ouvrez grandement vos oreilles. Qu'est-ce qui a poussé à cette jeune de rester avec une veuve? Hallelujah. 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 Moi, j'ai constaté que mimi nimeona ya kwamba je lis l'histoire, nimesoma habari, je relis encore, nikarudilia kusoma, et je relis encore, nikarudilia rudilia, je revis, na nikarudilia tena, j'ai vu que nikaona kwamba la chose itu qui pousse
poussé la femme qui à laisser avec une veille. Ce n'était pas à cause de la richesse. Ce n'était pas à cause du mariage. Ce n'était pas à cause de quoi que je ne sais pas quoi. Ce que je sais, c'était l'esprit d'amour qui était dans cette jeune fille. L'esprit de l'amour qui était dans bien aimé dans le Seigneur. Encore je me suis demandé. L'amour c'est quoi? Et puis j'ai vu que l'amour est une force. Alléluia. Est une force qui pousse quelqu'un à se donner à quelqu'un. À s'abandonner à quelqu'un. Comme un aveugle. Sans avoir, sans toutefois regarder les inconvénients. Bila kuangalia matokeo ya baadaye. L'amour, upendo, est une force. Ni uwezo, est une puissance. Ni nguvu, qui pousse ambaye anasukuma mtu à se donner, kwa kujitolea, s'oubliant soi-même, kwa kujisahau mwenyewe. Alléluia. 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 Rabashakarama. Alléluia, 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 sa joie, Anna Saufra, il oublie sa bénédiction, Anna Saufra, qui donne tout, la fille n'a pas dit tolère pour autre, il se donne tout, ouais, vous pouvez nous dire tolère, Kabir, pour cela la Bible, mais il y a la Bible, c'est Dieu a tellement aimé le monde, mon goût, Kabir, il fait dans les mains, pour Rabashakaraba, Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son fils, est une force. Yes. La Bible me dit. Bible en 1 Jean, katika waraka wa kwanza wa Yohana, chapitre 4, sura yake ya 4, verset 20, mstari wa 20, 21, mpaka 21. Si quelqu'un dit, yeyote ambaye ataweza si j'aime Dieu. Ninapenda Mungu. Et qu'il haït son frère. Na anachukia ndugu yake. C'est un menteur. Huyo ni mwongo. Car sababu celui qui n'aime pas son frère. Ule mwenye hapendi ndugu yake. Qu'il voit. Mwenye anaona. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ataweza kupenda Mungu namna gani mwenye haoni? Si quelqu'un dit j'aime Dieu. Yeyote akisema nampenda Mungu. Et qu'il haït son frère qu'il voit. Na unachukia ndugu yake mwenye unaona kwa macho. C'est un menteur. Huyo ni mwongo. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Ule mwenye hapendi ndugu ambaye anaona kwa macho. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ataweza kusema nampenda Mungu mwenye haone namna gani? Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Retournons dans l'histoire de Naomi. Retournons dans l'histoire de Orpa et Ruth. Mais Orpa, est-ce qu'elle a péché? Elle a fait la Naomi? Non. Et Ruth, est-ce qu'elle a péché? J'ai Alpha Yadami? Non. Hash. Mais qu'est-ce qui les met dans la différence? Nini ndio itia katika mzani. Qu'est-ce qui est comme différence entre les deux? Utofauti yao wawili kwa nini? La Bible me dit. Bible nasema hivi. Si tu aimes,
kama unapenda, tu dis tu aimes Dieu, kama unasema napenda Mungu, et tu haïs celui que tu vois, tu na unachukia ule mwenye unaona, uko mongo. Tu es menteur, uko mongo. Je dis tu es menteur, unasema wewe ni mongo. Tu es menteur, uko mongo. Combien de personnes aujourd'hui remplissent des églises? Combien de personnes aujourd'hui remplissent des églises? Combien de personnes aujourd'hui viennent à la prière? Combien de personnes aujourd'hui jeûnent? Combien de personnes aujourd'hui lisent la parole de Dieu? Combien de personnes aujourd'hui prêchent la parole de Dieu sans toutefois avoir l'amour? Tu aimes Dieu. Kama unasema penda Mungu. Aime Dieu. Penda Mungu. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Haiko kukuja kanisani. Aime Dieu. Kupenda Mungu. Ce n'est pas seulement lire la Bible. Haiko kusoma neno la Mungu. Aime Dieu. Kupenda Mungu. Ce n'est pas seulement haiko tu chanter à l'église. Kuimbia Mungu ndani ya kanisa. Aime Dieu. Kupenda Mungu. Ce n'est pas seulement haiko tu s'agenouiller. Kupiga magoti. Mais lorsque lakini tu aimeras ton prochain. Tu utapenda jirani yako. Wakati tu vas aimer ton ami. Unapenda rafiki yako. Tu aimeras ton voisin. Unapenda jirani yako. Lorsque wakati tu aimeras quelqu'un. Utapenda yeyote yule. Ah bien aimé. Oh. Ndugu mpenzi. Bien aimé. Ndugu mpenzi. Maintenant je vais parler. Nataka sema. Niseme. Sema. Anataka sema. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes dans l'église ici? Watu ngapi ndani ya kanisa hapa? Aime Dieu. Wanapenda Mungu. Lève ta main, je vais voir. Tia mkono wako. Mtu mwenye anapenda Mungu. Alléluia. Alléluia. Ashanti applaudissons pour la gloire. Mpigie Bwana. Parce que je vois toute l'église. Kwa unaona ni kanisa lote nzima. Okay. Okay. Combien de personnes ici? Watu ngapi hapa? N'aime pas Dieu. Mwenye hapendi Mungu. Lève ta main. Mwenye hapendi Mungu atie mkono. Lève ta main. Mwenye hapendi Mungu atie mkono juu. Hallelujah. 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 C'est ça le problème des enfants de Dieu. Iyo ndio shida ya watoto wa Mungu. C'est ça le problème. Iyo ndio shida. La plupart des églises wa makanisa mbalimbali. C'est ça le problème. Iyo ndio shida. Des enfants de Dieu. Ya watoto wa Mungu. Tu te crois aimé Dieu. Unajiwazia kumpenda Mungu. Yes. Tu te crois aimé Dieu. Unajiwazia kupenda Mungu. Oh! Ila! Oh! Ila! Exact. Matendo yako. Exact. Matendo yako. Les paroles. Mama maneno yako. Ça manifeste. Ila dirisha na kuonyesha. Rien de ya kwamba hakuna hata upendo ndani yako. Tes paroles. Maneno yako. Exact. Matendo yako. Réellement tu aimes Dieu. Quoi que l'appel d'amour. Je ne dis pas si tu te crois aimer, tu te crois savoir aimer Dieu. Mais si c'est mais à quoi bas ou quoi que tu vois, tu penses que tu aimes. Ama kuwaza kama ninaomba na penda Mungu. Ne soyons pas comme des menteurs. Tusikue kama waongo. Ne soyons pas comme des menteurs. Tusiwe waongo. Bien aimé, ne soyons pas comme des menteurs. Wapendwa tusiwe kama waongo. Si quelqu'un m'aime, wakati mtu ananipenda, il gardera ma parole. Atachunga neno langu. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, kila mwenye ananipenda, il gardera ma parole. Atalinda neno langu. Et mon père le verra. Na Mungu atampenda. Nous viendrons vers lui. Natakuja kwake. Verrons son nom. Tutafanya makao kwake. Kama mtu ananipenda, gardera ma parole. Atalinda neno langu. Nous viendrons vers lui. Tutakaa kwake. Nous habiterons chez lui. Tutaikaa kwake. Nous allons manger avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que tu gardes la parole? Tu dis oui, tu aimes Dieu. Est-ce que tu gardes la parole? Parce que je sais. S'il y a l'amour de Dieu en toi, s'il y a l'amour de Dieu en toi, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit nécessairement faire. Est-ce que tu as la parole? J'ai un nom de Dieu.
venir à l'église. On a choisi la kujadani ya kanisa. Donc tu aimes Dieu. Tu peux venir à l'église. Ou t'as osé couper kanisa. C'est pas parce que tu aimes Dieu. Si comme un pénamou. Peut-être. À Ijapo. Peut-être. À cause tu manques de quoi faire à la. On est à cause à qui est à couper nous. Peut-être. À cause tu es ici. Pourquoi? Parce que on t'a chassé dans ta maison. Ça va moi mais vous en allez nous. Tu es ici. À cause de c'est quoi? C'est pas parce que tu aimes Dieu. Aïe nous vous même pénamou. Peut-être. À cause c'est parce que tu as acheté une un bon un habit. À cause de nous nous en vangons. À cause de quoi les chats me couvrent à corps. Tu es ici. À cause de quoi? À cause de tes chaussures. À cause de l'idée de Chaco. Je le sais. Natua. Je le sais. Natua. Je vais te parler. Mais non, t'as gagné quoi bien? Tu es ici. Pourquoi pas? Parce que tu as mis des bons maquillages. Ça va vous mettre à mon rêve. C'est pas parce que tu aimes Dieu. Ah, écoute, on me peine à mon goût. C'est pas parce que tu aimes Dieu. Ah, écoute, on me peine à mon goût. Tu es ici. Pourquoi pas? Tu es ici. Pourquoi pas? Parce que tu n'as pas le travail à la maison. Ça va voir une case du bali. C'est pas parce que tu aimes Dieu. Aïe, que je vous en prie. Tu es seulement pour que ton pasteur te voie. À cause de pasteur ou à quoi couronner. Tu veux que ton pasteur te voie. Et il est à quoi couronner. Bien aimé dans le Seigneur. Il est temps d'aimer Dieu. 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 Alléluia. Il est temps d'aimer Dieu. Alléluia. Il est temps d'aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est temps d'aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrête ce que tu fais. Dieu, je suis le premier. Ni nara na pena Mungu ni kwa kwanza mpendwa. Qu'est-ce qui t'a poussé pour venir ici? Ni nini imekusukuma wewe ama imekusababisha wewe kuwa? Ce qui a poussé Ruth à suivre Naomi. Kile kimemsukuma Ruth kumfuata Naomi? C'était l'amour de Dieu, mpendwa Mungu. Mais qu'est-ce qui t'a amené ici? Wewe ni kitu gani kimekuleta? Et si tu dis que tu aimes Dieu, quand on a seulement un pénal, comment expliquer que tu manques le jour de la prière? Ça va vous gagner. On a seulement un pénal, on a cause à quoi tu as ma honte. Le jour de la prière, tu es toujours absent. Quand tu as ma honte, on a quoi? Tu es toujours absent. On a à où on est quand tu as ma honte. Et le dimanche, tu y es parfois, après un mois, tu es à l'église. Na, si vous y mangez, à qui ça mouaise, tu n'as plus de calisane. Par mois, tu jeûnes combien de fois? Kwa mwezi unafunga chakula mara ngapi? Tu lis la parole de Dieu combien de fois? Unasoma la Mungu mara ngapi? Tu pries combien de fois? Unaomba mara ngapi? Mais tu peux dire que j'aime Dieu. Na unasema nampenda Mungu. Tu peux dire que j'aime. Na unasema nampenda Mungu. Bien aimé, bien aimé. Mpendwa, mpendwa. Aimer Dieu. Kupenda Mungu. Ce n'est pas comme des arachides. Haiko kama maragwe. Ce n'est pas comme tu aimes de l'eau à boire. Hapana kisu napenda maji ya. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. Sio hivyo, mpendwa. Je sais, quelques-uns parmi vous n'aiment pas ma prédication, mais je vais parler. Ninajua kama katikati yenu wengi wapendake mahubiri yangu lakini nitasema. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas à l'hôpital, kama unaenda kwenye hospitali, tu as une blessure, wakati una jeraha. Et lorsque tu veux que le médecin te donne les médicaments bien te guérir, kwa hicho kidonda kama unapenda mganga kitunze. Il y a d'autres médicaments, ça fait mal de plus. Kuna ya ile dawa ambayo inaumiza sana. Mais aujourd'hui, lakini leo, je suis venu t'apporter le médicament qui vient de la part. Ninakuletea dawa ya kutoka kwa Mungu. Vient de la part de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Vient de la part de Dieu. Inatokana na Mungu. Dieu te dit aujourd'hui. Mungu anakuambia leo. Si quelqu'un même. Kama mwananipenda, gardera ma parole. Anapasha kwenye neno langu. On te dit de ne pas porter les pantalons serrés et tu es fâché. Wambia usikamate usivae a masuruali za kukamata mwili unasirika. Et tu dis que j'aime. Na unasema na mpenda Mungu? Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Quand nous venons à l'église, kama tunakuja kanisani, c'est pour recevoir la pensée de Dieu. C'est pour recevoir ce qui vient de la part de Dieu. On te dit viens à temps avant l'heure à l'église. Chaque vendredi, tu es en retard.
Chaque jour de la prière, tu es en retard. Chaque jour de la répétition, tu es en retard. Le jour du service, le dimanche, tu es en retard. Et tu dis que tu aimes Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous nous vérifions nous-mêmes. Regarde-toi seul. Regarde-toi seul. Comment est ta vie par rapport à la parole de Dieu? Si quelqu'un aime, Jésus dit ainsi. Yes, on a ses mains. Celui qui aimera sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son travail plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera sa maison plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera ses vêtements plus que moi n'est pas digne. Celui qui aime sa beauté, ou n'est pas digne de moi. Tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. On a peine à Mungu, Dieu n'a peine à Mungu. Oui, pasteur, j'aime Dieu. Il y a quoi, il me chunga, il n'a peine à Mungu. J'aime, tu es prêt, il n'a peine à Mungu. Je vais changer. Il n'a pas qu'il a ce qu'il a dit ça. Mais pasteur, aujourd'hui je ne viens pas. Je suis fatigué, vous aussi avec vos églises là. Ah, je suis fatigué. Quel genre d'église? Il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ah, pasteur, je ne viens pas, je prépare ma nourriture. Ah, parce que je prépare, maman m'a donné le travail de laver mes amis. Ah, pasteur, moi je viens du travail, je viens de l'école. Prie seulement pour moi, oh pasteur. Nous sommes ensemble à l'esprit. Vous allez prier, pasteur. Et tu attends voir Jésus. Tu dis que tu aimes Dieu. Au lieu de prier, je vais jouer au football. Si quelqu'un m'aime. Le commandement nouveau que je vous donne, dit le Seigneur Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. 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 Jean 13, chapitre 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement. La Bible me dit ainsi. La Bible me dit ainsi. En 1 Corinthiens, chapitre 13. Même si je parle des langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme quelque chose qui m'aime. Bien aimé dans le Seigneur, il paraît que tu es venu à l'église.
Et tu as le problème. Et tu as des requêtes à Dieu. J'ai entendu une maman qui disait, prions pour les requêtes. Oui, j'ai vu, tu as prié. Est-ce que tu t'es demandé une question? Est-ce que ma prière a été entendue? Est-ce que je me suis consolé moi-même? Il paraît, tu es, si tu as prié, que ta prière n'est pas montée au ciel. Tu as crié, mais ta prière n'est pas montée au ciel. Il serait mieux aujourd'hui. Quand tu écoutes la parole de Dieu, Cherche. C'est pour cela la Bible me dit, Dieu pose la question et il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il paraît, à cause. Il paraît, ma soeur, à cause. Il paraît, mon frère, à cause. Dieu a une mission à te donner. Tu peux t'envoyer quelque part. Tu as quitté l'Afrique. Tu sais pourquoi tu as quitté l'Afrique? Il y a une mission qui est devant toi. Il y a une mission qui est devant toi. Mais Dieu veut te donner. Dieu veut t'envoyer. Et c'est pour cela qu'il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Je cherche quelqu'un. Surtout dans ta famille. C'est peut-être dans ta famille. C'est peut-être sur toi. À cause de toi. C'est peut-être sur toi. Je te cherche. 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 Ne te cache pas. C'est difficile. Je dis qui enverrai. Dieu envoie toujours les gens qui sont remplis de l'amour. Dieu est fatigué d'écouter la parole de Dieu. Tu es fatigué d'écouter la parole de Dieu. Tu envoies toujours les gens qui sont remplis de l'amour. Car l'amour ne condamne pas. L'amour ne condamne pas. L'amour ne juge pas. L'amour n'insulte pas. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour prend tout. Avec l'amour. Avec l'amour. Tu vas vivre. La prophétie passera. L'intelligence passera. L'orgueil que tu as. Ça passera aussi. Ça passera. L'orgueil passera. La richesse passera. La sagesse passera. Les enfants aussi passeront. Nos familles aussi passeront. Toutes choses passeront. Les amis passeront. Les habits passeront. Les chaussures passeront. Tout ce que tu as. Passeront. Mais l'amour. 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 Ma soeur. Il est temps d'aimer. Il est temps d'aimer. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Il est temps de vivre dans l'amour. Il est temps d'être rempli avec l'amour. Et la parole de Dieu me dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Si tu aimes bien aimer, quand tu vis avec Dieu, si tu es mon frère, donc tu vis avec nous. Si en toi, il y a
un esprit qui te dit de ne pas aimer l'autre et d'aimer l'autre. Kuna roho ya kukwambia penda huyu chukia huyu, hiyo sio roho wa Mungu. L'esprit du mal te dit. Penda yani roho mupaya na kuambia. Regarde ce qu'il t'a fait. Angalia yale wamekutendea. Regarde ce qu'il t'a parlé. Ona vile venye wamekusema. Tu es fou, quelqu'un qui t'a insulté. Unaona ule mwenye alikutukana. Mais il t'a volé. Alikuiba. Mais là tu es l'un des membres de ta famille. Ayu wa mmoja katika jamaa lako. Mais comment tu vas aimer la personne? Utampenda namna gani huyo? Oh. Qui est-il? Uko nani? Il se croit être qui devant moi? Il a John Anani Belaya. Il se croit être qui devant moi? A John Anani Belaya. Qui est-il? Ni nani? Bien, mais ça c'est pas l'esprit de Dieu. Yo si au aussi au roi mon. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. Oui, roi mon. Mais l'esprit de Dieu. Roi mon. Supporte tout. On a vomi à yo. Tu m'as incité. On met une touche. Ah, je t'aime de la mort. Oh, ni na coupé na con. Tu es mon ami. Où est la fille? Tu es mon frère. Où comme brafi? Même si tu m'as insulté. Attaque au menu touche. Même si tu as mal parlé contre moi. Tu m'as fait ma je t'aime toujours. Ni na coupé. Oh, comment tu vas, mon frère? Comment est-il la journée? Oh, bien aimé. Que Dieu nous bénisse. Où va tu barrer? Bien aimé, Dieu nous bénisse. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous bénit. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous bénit. C'est ce que je suis venu. Et Dieu nous a quoi bien l'air. Il n'y a pas les amen. Hakuna maamen. Je sais. Ninajua. Je sais. Najua. Parce qu'on n'a pas l'amour. Sababu hatuna upendo. Vous êtes là, combien de personnes que tu ne parles pas avec? Muko pale ni watu ngapi ambao waongee nao wewe? Et tu attends voir Jésus. Na unangojea kumu. Et tu veux avoir la vie éternelle. Na unapenda upate. Et tu attends l'enlèvement. Na unapenda unyakuliwe. C'est de votre famille votre enlèvement. Non. Il est kunyakuliwa ni ya familia yako ni ya jamaa. C'est pas ça, c'est pas ça. Aiko hiyo. Je sais tu ne peux pas aimer ces messages. Ah, mais oui, tu peux parler. Tu peux, lakini tasema. C'est pas ça, mes frères. Haiko hiyo mpendwa. Il est temps de se réconcilier avec les autres. Accepte que le monde te dit que tu es fou. Accepte que le monde te dit que tu n'es pas intelligent. Accepte que le monde te dit que toi tu ne raisonnes pas. Accepte que le monde te dit que toi tu es comme un petit enfant. Alléluia, Benoît. Je suis pas venu te juger bien. Je suis venu te montrer. Mettez-nous debout. Tous si m'amènent à tout homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Je sais. Najua. Il est difficile à toi. Ni vigumu kuamini. Il est difficile à toi de pardonner. Ni vigumu kwako kwa kusamehe. Il est vraiment difficile ni vigumu kwako kwa kusamehe. Parce que lorsque tu vois la personne, wakati unamuona celui qui t'a mal fait, ule ambaye amekutendea mabaya, celui qui t'a insulté, ule mwenye amekutukana, celui qui t'a rejeté, ule mwenye amekutupilia. Peut-être là tu es l'un des membres de ta famille. Akose ni katika jamaa lako. Tu te souviens rapidement. Unakumbuka
Et je me souviens un jour, il paraît que tu étais dans ta chambre et tu parlais à Dieu et tu dis: Seigneur, je pardonne la personne. Mais souvent, quand tu vois la personne qui est vraiment blessée, et tu te sens, il serait mieux que tu puisses te tuer. Et pour ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, Léo, si Dieu me pousse de donner ces paroles, c'est pour ta faveur. Cela démontre que Dieu te connaît. Cela démontre que Dieu te connaît. Cela démontre que Dieu t'aime. Cela démontre que les yeux de Dieu sont sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le Seigneur vient de nous parler tout à l'heure, il est temps de pardonner. Et si tu n'es pas capable de pardonner, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, connaîtront que vous êtes aimé ici. Si vous aimez, si vous vous aimez les uns les autres, si vous vous aimez les uns les autres, il y a d'autres personnes, ils n'aiment pas écouter le message de l'amour parce qu'ils ont brisé des relations à gauche, à droite, en arrière, en bas. Ils ont coupé, ils ont découpé des Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit du pardon qui viendra en toi. Bien-aimé, ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Peut-être ta mort, c'est demain. Peut-être l'enlèvement, c'est après le service. Peut-être il y a un accident qui t'attend. Ne tarde pas de pardonner. Ne tarde pas de pardonner. Ne tarde pas d'aimer les autres. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Viens. Il est temps de pardonner. Il est temps de vivre dans l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pardonne. Peut-être à cause d'une personne de ta famille. Toutefois, il parle mal de toi. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Souviens-toi. Peut-être tu as quitté le pays. Et tu es que tu ne parlais pas avec. Mais à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Dieu t'attend aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu veut t'envoyer dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Dieu veut t'envoyer pour guérir le malade. Dieu veut t'envoyer pour sauver les âmes. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Merci, sois béni. As-